La tentation. En tant qu'infirmier de garde de nuit, dans le service de soins intensifs à l'hôpital de Bergame, Mario est arrivé en avance pour consulter les dossiers des patients hospitalisés. Ce soir, son regard est attiré par un nouveau dossier, Octavian Materoscu. Un nom pareil ne s'oublie pas. C'est celui de l'un des assassins de son père. En arrivant, il a été intrigué par la présence d'un policier dans le couloir. Maintenant, il comprend. 11 jours plus tôt, vers 22 heures, son père Antonio a été agressé via Santa Lucia par plusieurs individus. Les 8 coups de couteau lui ont été fatals. Il était déjà mort à l'arrivée de la police et des secours. L'enquête a révélé que les agresseurs étaient 4 Roumains déjà fichés et recherchés. Hier soir, lors d'une rixe entre bandes rivales, Octavian a été laissé pour mort sur le trottoir. Les antagonistes ont détalé en attendant les sirènes de la police se rapprocher. Dossier en main, Mario s'est planté au pied du lit où le corps immobile d'Octavian est relié à plusieurs appareils et sondes. Il semble mort, mais le moniteur de surveillance cardiaque prouve le contraire. L'image de son pauvre père agressé en pleine nuit par 4 voyous revient le bouleverser. Il avait déjà lu ce genre de faits divers. Il avait toujours une pensée pour les victimes et leurs familles, puis il passait à autre chose. Mais son père... Pour Mario, 2 choses étaient sacrées, comme disait son père, la famille et la religion. Quand la police avait sonné chez lui pour lui apprendre la terrible nouvelle, Mario s'était évanoui. Sa chute avait été amortie par les bras d'un policier. On venait de lui arracher le cœur. Rien ne pouvait apaiser sa haine. Il le vénérait, son père, qui était devenu veuf quand il n'avait que 10 ans. Le souvenir de leur lien est si fort que Mario s'agrippe à la barre du lit. Personne n'avait le droit de toucher à son père. Personne. Pourquoi maintenir en vie un assassin? Même Dieu serait d'accord avec lui. Après tout, c'est peut-être un signe. Il retourne jeter discrètement un œil dans le couloir. Le policier s'est endormi sur sa chaise et sa collègue est à l'autre bout du service. Il revient devant le lit du Roumain. Un sentiment de puissance l'envahit. Il respire lentement et profondément. Devenir la main de Dieu, avoir droit de vie et de mort sur les parasites. Ce ne serait pas de la vengeance, un juste nettoyage, pense-t-il, pour se légitimer. Les mains crispées sur la barre du lit, il observe le corps inerte. Quelle est cette voix qui murmure dans sa tête « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite. » Tout débranché? Faire croire que le patient a arraché le câble du stimulateur cardiaque? Non, ça va sonner dans le bureau des infirmières et alerter sa collègue. Il connaît un autre moyen radical. La tentation est forte, très forte. Il a toute la nuit devant lui. C'est alors que mentalement, il se met à réciter le Notre Père.